Mais pour commencer, direction Bar-le-Duc, où une retraitée de 90 ans a reçu une facture d'eau de plus de 7000 euros sans avoir surconsommé. En cause, une fuite probable sur la canalisation entre son compteur et sa maison. Un problème, la conduite, qui date des années 70, fait 800 mètres de long et traverse le domaine public. Un imbroglio juridique que nous expliquent Ludoïs Gravel et Frédéric Madier. 7 888 euros, telle est la facture qu'a reçue Bernadette Latour dans sa boîte aux lettres en novembre dernier. L'agglomération de Meuse-Grand-Sud lui réclame le paiement de 3 315 mètres cubes d'eau. Juste pas tant d'eau, je comprends pas. Un coup dur pour cette retraitée de 90 ans dont la pension ne dépasse pas 1 000 euros par mois. Face à cette situation, l'un de ses fils a pris les choses en main pour comprendre d'où venait l'erreur. Le compteur, il est à, on va dire, on est à 700-800 mètres, quoi. On a 300 mètres de chemin privé, donc on a toute une canalisation qui passe tout le long, là, de ce côté-là. Et après, une fois qu'on sort de la propriété, on passe sous le domaine public. Gilles Latour a recherché les fuites sur les 800 mètres de sa canalisation. Pour lui, il y en a deux, mais qui se trouvent sur le domaine public. Bon, bah, la première fuite, le sourcil, il l'a localisé par ici, au niveau du panneau, quand on avait marqué, mais bon, avec le temps, ça s'est... Hein, puisqu'on pensait qu'on allait creuser rapidement, mais bon, ça verrait que non. Voilà, la première, elle est ici. Et la deuxième, elle est un peu plus loin. Là. Gilles Latour a tenté de trouver une solution avec la communauté d'agglomération qui gère l'eau de Bar-le-Duc. L'une serait de rapprocher son compteur de sa propriété. Ici, ben, là, c'est le compteur, là, où on prend notre eau, donc compteur public. Et, ben, pour aller jusqu'à chez moi, il y a 800 mètres. La logique, ça serait qu'ils mettent un compteur en début de propriété. Et on m'a proposé 18 000 euros pour faire ça à ma charge. Donc j'ai refusé, quoi. La communauté d'agglomération, elle, se veut rassurante pour permettre à Bernadette Latour de sortir de cette situation atypique. On va essayer de traiter le problème en sachant que tout ce qui relève d'une installation privée, c'est à la charge du propriétaire. Mais il est clair qu'on va essayer de trouver une solution, notamment avec Madame Latour. On ne va pas la laisser par rapport à une telle situation. Et on est en train de travailler là avec les services pour trouver la meilleure solution. L'aménagement d'un site prévu à proximité de la canalisation devrait permettre de revoir l'ensemble des conduites d'eau du secteur dans les mois à venir et ainsi régler à terme la situation exceptionnelle de la famille Latour.